région du sud-ouest du Maroc, c'est une région aride qui souffre des années de sécheresse, de manque de précipitations, de désertification et de pénurie d'eau. Et c'est ainsi que les hommes, ils ont dû quitter leur terre pour aller en ville à la recherche de d'autres sources de vie, et étant donné que leur terre ne les nourrissent plus. Toute la production locale qui se perd et qui est remplacée par la consommation du marché. Il y a toutes les anciennes graines qui sont aussi vouées de disparaître, et tout le savoir qui va avec. Tinamout, c'est la grainothèque de Dar Sihmet installée dans la ferme didactique Agdal Brahim Achour et qui a pour but de collecter, de protéger et de produire des semences d'espèces locales et de les rendre disponibles à travers un système d'échange et de troc avec la communauté de la région de Goulmi Mouadnoun, et ainsi insuffler une espèce de dynamique d'économie et de consommation durable. La construction de bâtiments Tinamoud a été faite d'une manière où on a respecté l'écologie, où on a utilisé des matériaux premiers disponibles dans la région. Et ici, c'est un magasin de stockage de matériel. Et voilà une petite chambre qui constitue comme une banque de semences où on va stocker des graines de manière où en respectant les règles d'hygiène et en respectant aussi les normes de stockage. Ici, c'est une partie des graines collectées qui sera stockée après fin de l'aménagement de la grainothèque. Le concept de la grainothèque, ce n'est pas seulement un espace de stockage, c'est aussi un espace pour refaire vivre les pratiques ancestrales, mais également pour permettre de renforcer les liens sociaux et inciter les gens à revenir dans leur terrain, parce qu'il y a des choses à faire. Suite à l'appel à projet porté par l'ABES, le projet Salem, depuis avril 2021, nous avons eu un accompagnement sur toute la phase du montage du projet et puis durant aussi sa mise en œuvre, des ateliers, des formations, de l'accompagnement aussi bien collectif que individuel, avec aussi un soutien financier qui nous a permis justement de mettre en place et de construire la grainothèque. L'idée d'avoir accès à une alimentation saine me parle beaucoup, et l'idée d'encourager les villageois et la communauté locale à retourner aux pratiques ancestrales et aux principes de l'agroécologie, ça va permettre en fait de développer le secteur davantage, ce qui permettra une accessibilité à tout le monde, y compris moi et à tous les Marocains. On est une petite niche et petit à petit ça va grandir, et voilà, un jour on va assurer l'autonomie et la résilience de toute la communauté de la région, et on espère pouvoir étendre cette pratique à l'échelle nationale et internationale.